Bonjour les amis, bienvenue sur Prenante avec les cartes. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre 2022. Donc il me reste, je crois, quatre signes. Vous savez déjà de qui il va s'agir. Alors avant que je commence la guidance, je voulais vous dire que les guidances de l'année 2023 seront en ligne au 1er janvier à 8h du matin. Donc on va faire un tour d'horizon avec la grande roue astrologique. Deuxième chose à vous dire, j'ai conçu un soin énergétique express, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un soin qui dure environ 7-8 minutes que vous pouvez faire à tout moment de la journée, avant un rendez-vous important où vous êtes stressé, ou alors justement pour vous déstresser en fin de journée. Il marche apparemment du tonnerre. J'ai déjà eu quelques retours assez intéressants, même de personnes un peu moins réceptive par rapport à tout ça. Donc voilà, je vous invite à aller le voir, c'est dans les dernières vidéos, vous allez voir, c'est un fond d'écran vert. Et puis je vous laisse de toute façon l'explication en début de guidance, je ne vais pas tout expliquer maintenant. Allez, c'est parti pour les énergies du mois de décembre 2022, qui va être le signe abordé aujourd'hui. Il s'agit de nos chers amis poissons. Bienvenue les poissons. Alors, je remercie tous les poissons qui sont abonnés à ma chaîne, toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des gentils retours, des commentaires, de liker. C'est un petit quelque chose, hein, pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, comme le dit je ne sais plus qui. Allez, c'est parti. On rentre dans votre guidance, les poissons. Alors, votre élément, la mer. J'ai choisi l'oracle de la mer ce mois-ci, donc c'est un tout nouvel oracle. Il est sorti il n'y a pas longtemps et moi ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est la première fois que je le prends ici en guidance. Et voir un petit peu justement la vibration. Le mot, la carte qui va symboliser au mieux votre mois de décembre. Chers amis, allez, poisson décembre 2022 s'il vous plaît. D'abord, on en a déjà une qui sert. Qui a sauté émergé? Écoutez, vous allez sortir la tête de l'eau. Voilà, je ne sais pas dans quoi vous étiez plongé. Hein, vous avez peut-être dû asphyxier, manquer d'espoir, manquer de perdre pied, être un petit peu étouffé hein, dans une situation, dans une relation. Là, on voit que vous allez enfin pouvoir respirer, sortir la tête de l'eau, voir le soleil, ah, et être enfin, vous ne serez plus submergé en ce mois. Alors je vois que c'est le chiffre 4, donc on voit bien qu'il y a une forme de stabilité retrouvée dans votre vie. Donc vous perdiez peut-être pied, l'équilibre, eh bien ce ne sera plus le cas, le ciel bleu revient. Donc vous baignerez ici dans l'air pur et dans la lumière. Peut-être aussi quelque chose qui concernait le foyer, la famille, la maison. Donc on verra bien comment ça se manifeste. Dans votre tirage. Alors pour le coup, je vais quand même déjà tirer mon gilet. C'est vrai qu'ici, le prix de l'économie maintenant, on baisse le chauffage et on met les couches, comme on dit. Allez, je mets mon gilet près de moi. Hein, on s'en fout si au niveau de la déco, c'est pas ouf. Mais au moins, ça si j'ai froid, je le remets. Allez, les poissons. On va prendre maintenant, je vais prendre lequel? L'oracle de l'âme intuitive. Oracle de l'âme intuitive pour les poissons, décembre 2022. Voilà, l'aube, regardez, je vous ai parlé de soleil. Donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, il y a quelque chose qui commence. On a nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Donc des énergies déjà très permissives, très positives, très lumineuses. Des commencements pour les poissons, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ ici. Qu'est-ce qui se lève pour vous? Alors, nous avons le questionnement. Donc, peut-être que quelque chose, justement, va poindre son nez et va vous laisser sur le moment un petit peu perplexe, va vous demander
de vous positionner, de savoir comment faire les choses, de savoir faire des choix, de savoir faire du tri. Également de vous dire, peut-être que vous allez vous demander est-ce que j'en suis capable, comment réaliser cet objectif. En tout cas, on voit bien que voilà, ce sera quand même un choix, mais qui va, enfin un moi aussi qui va vous permettre maintenant de vous poser les bonnes questions, parce qu'avant je pense que vous étiez trop submergé pour le faire, et que maintenant, bah voilà, maintenant que ça commence, alors vous devez peut-être aussi arrêter de vous questionner, hein, on va voir un petit peu, hein. Je vais retirer une troisième carte. On a donc explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Donc si vous êtes dans la positivité, vous trouverez, oui. Donc vous voyez, il y a quand même des choix. Donc, il y a inévitablement pour ce nouveau départ, ce nouvel objectif de vie, un positionnement et des choix à faire. Donc, vous devrez faire le tri et laisser probablement quelque chose derrière vous. On vous dit croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Alors, je continue un petit peu la réflexion par rapport à ce nouveau départ et ces choix pour les poissons. L'identité. Alors. Je pense que vous avez changé, je pense que vous avez évolué. Il y a quelque chose qui concerne votre identité propre. Donc peut-être que quelque chose ne vous convient plus, un partenariat, un travail, une relation, et que là maintenant, bah voilà, les énergies vous permettent d'aller de l'avant, de couper les liens, de rompre, d'aller de l'avant, et que maintenant vous savez ce que vous voulez, alors vous savez vous poser les bonnes questions et vous savez faire les bons choix. Et ce qui vous permet de vous propulser de l'avant. Alors, le fait de croire. Vous voyez, on voit que vous recroyez en la vie, recroyez en vous, recroyez en vos projets. C'est un mois lumineux, c'est un mois d'avancée, c'est un mois de positionnement, c'est un mois de décision et c'est un mois de nouveau départ pour vous. Voilà, le fait, voilà, que vous enfin émergez, on voit que vous sortez de l'ombre, vous sortez des difficultés et en tout cas, vous commencez à y voir nettement plus clair. Alors, ici, on n'a pas encore de particularité bien précise, mais c'est pas plus mal parce qu'au moins ça montre que ça peut toucher un petit peu tous les domaines de votre vie en fonction bah, de votre vécu personnel. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions ou des messages autres, s'il vous plaît, oracle du monde pour les poissons en ce mois de décembre 2022. Alors, nous avons la santé. Bon, déjà, il y a quand même cette notion d'amélioration, d'alignement, de guérison qui ressort dans cette carte. Peut-être qu'aussi vous allez prendre un peu plus soin ou faire attention à comment dire, à réaligner, à purifier quelque chose, hein. Vous allez peut-être travailler sur le plan de l'énergétique ici aussi. Alors, bon, j'ai deux cartes, donc je la remets. J'avais l'homme et le bonheur. Alors, l'excès. Donc, effectivement, il y a certainement un chakra un petit peu bloqué ou un désalignement sur le plan de votre vitalité et que vous aurez à cœur de devoir un petit peu régénérer, purifier, aérer tout ça parce que vous avez dû accumuler beaucoup de choses et que ça a plombé un petit peu votre santé. Vous êtes senti peut-être désancré, déconnecté, désaligné, en manque d'idées, de potentiel et que là, justement, c'est un mois vraiment important pour pouvoir vous retrouver ici avec la carte de l'identité, retrouver un bon positionnement également sur le plan de la santé et de la vitalité et pour éliminer un petit peu le superflu et les excès dans votre vie. Alors peut-être que certains va être aussi sur le plan les excès des douleurs sur le dos, d'avoir porté beaucoup trop de surcharge de travail émotionnel. D'autres, ça va être sur le plan interne. Ici, peut-être que vous avez beaucoup allez, mangé des choses un petit peu, comment dire, des virtuailles un petit peu plus, des fondues, des raclettes, bu du vin rouge un petit peu trop, enfin rouge ou blanc ou vert, enfin ce que vous voulez, et la notion de devoir purifier un petit peu quelque chose, hein. Allez, est-ce qu'il y a un autre message ici pour les poissons, pardon, en ce mois de décembre, s'il vous plaît? L'amour. Ah, tout à l'heure, on avait l'homme. Alors, il y a quelque chose qui va concerner une relation sentimentale. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour l'amour des poissons?
Qu'est-ce qui va se passer? Alors, oh, mais questionnement, un nouveau départ sentimental, hein, le fait de pouvoir enfin sortir d'un dénouement, ici la paix. Donc, on voit bien qu'ici, il y aura une forme à la fois de sérénité sur les couples, une forme d'harmonie, également des possibilités de réconciliation, de retour à l'autre et à soi, en tout cas une guérison du cœur, une guérison émotionnelle et possiblement une belle rencontre pour les célibataires. On verra bien ça en courant de tirage. Des bonnes nouvelles aussi qui peuvent arriver à vous sur le plan émotionnel, sentimental. Alors oui, il y a pu y avoir des difficultés, mais on voit qu'on se libère ici des difficultés ici. Sur le plan émotionnel, sentimental. Allez, c'est parti, on prend notre nos lames majeures du tarot pour voir d'abord un petit peu laquelle reflète le mieux votre moi. Quel va être l'arcane majeur qui va représenter au mieux, s'il vous plaît? La lune. La lune, la lune. Bon, écoutez, on sort quand même la tête hors de l'eau, hein, mais voilà. La lune, il y a quand même encore des choses enfouies. Alors, c'est peut-être des choses enfouies, des choses du passé, des situations du passé, des personnes du passé qui peuvent commencer à refaire surface. Et vous sentez les énergies, même si c'est pas tout à fait clair, hein, effectivement, on voit qu'il y a encore du questionnement. Vous sentez les choses, vous êtes connecté. La lune, même si ici, qu'est-ce que je veux dire? Non, j'allais dire des conneries. Non, c'est votre carte en fait. C'est votre carte. Hein, les poissons, c'est votre carte. Donc, vous allez être en symbiose avec les énergies environnantes. Vous allez être connecté, vous allez être intuitif. Vous allez ressentir très fortement les choses. Ici, nous avons volonté et raison. Peut-être une nécessité également d'équilibrer le cœur et la raison et finalement d'être dicté de l'intérieur, même si on n'y voit pas encore tout à fait clair. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle sort hein, tout comme cette dame. Vous aurez à cœur, malgré les inconnus encore, de pouvoir sortir la tête un, deux, trois, sortir la tête hors de l'eau. Et moi, je pense que c'est vraiment vos ressentis, votre intuition, votre connexion avec le divin qui va vous permettre de savoir vous poser les bonnes questions et de continuer à croire malgré encore peut-être les zones de flou et d'incertitude. Pour vous, les poissons, alors la lune, c'est également les émotions. Donc, on voit bien que sur le plan émotionnel, il y a des choses qui vont bouger de façon positive et harmonieuse. Donc, voilà, ça rejoint ce qu'on a dit au départ. Alors, on va mettre comme ça. Ok. Alors, les poissons, donc pour les personnes qui découvrent la chaîne, ici je vais tirer votre énergie personnelle générale durant ce mois, votre force, votre faiblesse challenge, l'entrée, milieu, fin de mois, le plan pro, le plan financier, le plan des relations en général et le plan amoureux. Pour le plan amoureux, je vais clarifier avec différents oracles en fonction de si vous êtes célibataire, célibataire avec quelqu'un dans le cœur, en couple pour qui tout va relativement bien et en couple en crise, difficulté. Je clarifie aussi mon tarot avec le petit Lenormand. Et normalement, je verrai bien en fin de tirage parce que je l'avais fait pour le premier signe ou les deux premiers signes, puis après j'avais complètement zappé les réponses angéliques. Donc si vous voulez, désirez, pardon, vous poser une question, je vais tâcher d'y songer. Ma foi, si j'oublie, je m'excuse d'avance, hein. Allez, votre énergie personnelle générale durant ce mois, les poissons. Mois de décembre 2022. Comment ce sont les poissons? Alors, soit vous êtes passionné par quelque chose, soit vous êtes
à l'affût le flair de la meilleure opportunité financière, soit vous avez à cœur ici de vous libérer d'une situation toxique sur le plan relationnel ici. Vous allez de toute façon sortir la tête hors de l'eau, on le voit, hein, même s'il y a encore des choses qui influent, hein, à l'intérieur. Mais voilà, on voit que croire et identité, vous allez voir que s'il n'y a plus de connexion, de mauvaise connexion sur un plan relationnel, ici, vous allez un petit peu faire le tri pour améliorer une situation, alors tout en restant avec la personne ou en vous libérant, ça vous verrez bien, mais il y a quelque chose, en tout cas, vous savez pertinemment qu'il faut travailler là-dessus, ça peut être des peurs et des doutes que vous avez également. Alors, on va prendre l'autre tarot. C'est un mois intense, hein, déjà. Un mois intense. Allez, pour le diable, sur l'état d'esprit ici, des poissons. Bon, vous voyez, c'est émotionnellement, il y a quelque chose là que vous savez que vous devez laisser. Il y a quelque chose du passé qui vous retient encore. Et je pense que vous avez à cœur ici de faire les bons choix, de vous retrouver vous, de vous détacher émotionnellement de cette problématique sentimentale parce qu'en gros, trop c'est trop et vous préférez l'harmonie et la paix. Vous allez peut-être faire la paix avec une personne, peut-être aller dire maintenant c'est fini, je ne t'en veux point. Mais c'est aussi, voilà, vous-même, vous allez devoir vous retrouver vous par rapport à votre passé émotionnel et sentimental. Alors. Une petite carte du petit Lenormand ici. Il y aura quand même une petite pointe de nostalgie, hein, donc on a quand même vécu des beaux moments ensemble ici, mais vous savez que vous vous devez aller de l'avant, vous voulez un nouveau départ et vous voulez y croire à nouveau. Allez, il y a peut-être aussi un choix entre deux personnes, vous allez peut-être devoir choisir entre deux personnes. Et vous voulez faire le bon choix. Allez, sur l'état d'esprit ici des poissons. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est ancré en vous, hein. C'est quelque chose qui est dans votre ADN. C'est difficile de s'en déconnecter, mais vous allez pour moi réussir. Vous allez en tout cas y travailler pour pouvoir vous libérer, non sans mal, hein, j'ai envie de vous dire, mais beaucoup plus facilement que précédemment dans les mois précédents. Il y a, vous voyez, encore cette idée, maintenant vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez, vous vous sentez attiré par un ailleurs, par le futur, chers amis. Alors, on va voir un petit peu maintenant sur votre force. Qu'est-ce qui va être en force? Qu'est-ce qui va vous aider en ce mois? Eh ben, le fait de clôturer un chapitre, le fait de laisser à César ce qui appartient à César, de ne plus vous occuper de travailler pour les autres si vous, ça ne vous apporte rien. Enfin, si vous faites avec le cœur, c'est très bien, mais peut-être qu'à un moment donné, on vous demandait de faire tout, et puis c'était toujours oui, et puis que là, maintenant, bah, vous allez dire non, vous allez dire stop, hein, ou à faire de tout faire pour les autres. Mais il y a aussi cette idée que vous voyez, vous arrivez au bout d'un chemin difficile, douloureux et éprouvant. C'est vraiment la fin d'un cycle. Alors pour les personnes qui êtes en quête de trouver, par exemple, de pouvoir déménager, ici, vous êtes dans des énergies de pouvoir le faire. Voilà, peut-être que vous clôturez également un déménagement, que ça va être, voilà, vous terminez les derniers paquets. Voilà, qu'est-ce que ça peut me dire d'autre encore ici? Vous aurez moins de fatigue en ce mois, donc je pense que ici, avec la carte émergée, on voit bien que vous allez pouvoir souffler, que sur le plan de la santé, il y a une notion d'équilibre qui va revenir, hein, comme je vous l'ai dit en début de tirage. Allez. Sur la force ici, des poissons. Alors, ben non, vous n'allez plus accepter, comme je vous l'ai dit, vous n'allez plus accepter des propositions qui ne vous satisfont plus. Oui, qui ne vous satisfont plus. Vous préférez prendre soin de vous, vous préférez souffler, vous préférez être seul que mal accompagné, et vous avez besoin très clairement ici de vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie plutôt que de toujours en vouloir plus également. Il y a une forme quand même d'équilibre, hein. N'oublions pas que la quatre de coupe, indépendamment du fait que cette personne, cette carte est un peu triste ou nette, la quatre de coupe, c'est une stabilité émotionnelle. Donc on voit bien que vous arriverez à travailler sur ces schémas de relations toxiques en libérant des choses du passé qui étaient ancrées en vous.
Alors, sur la... Pardon. Renverse. Allez, sur la force, encore avec le petit Lenormand. La force. Regardez. Ici, je vois une notion d'harmonie. Alors, pour certains, oui, on peut y avoir des cadeaux, des invitations, des heureuses surprises, oui, des propositions super sympas, oui. Il y a cette notion aussi de prêter attention à soi, à son corps, à se faire belle, à se faire plaisir aussi soi-même. Mais c'est aussi... Là, je l'ai vu vraiment dans une carte d'épanouissement personnel. C'est vraiment comment je l'ai ressenti ici. Alors, peut-être qu'il y aura également une notion de décoration pour certains d'entre vous, hein, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais voilà, je l'ai vu dans cette notion d'épanouissement personnel. Et pas avoir besoin des autres pour être épanoui. Alors, ici, j'ai aussi une femme. Dans la cartomancie traditionnelle, ici, nous avons la reine de pique, donc qui serait plutôt une femme aux cheveux bruns. Donc peut-être qu'ici, une femme va vous proposer quelque chose ou va être à vos côtés pour vous aider ou tout simplement passer de bons moments. Allez, c'est parti pour votre challenge, votre défi, ce qui va être un petit peu moins avantagé en ce mois. Alors, c'est intéressant. La 10 de coupe. Donc, on voit bien que ici, la 10 de coupe, c'est quand il y a une harmonie totale. Donc, votre challenge, ça va être la quête de l'harmonie totale parce qu'il y a un petit manque, il y a un petit manque de quelque chose. Pour d'autres, ça va être peut-être une petite problématique, effectivement, sur le plan d'un couple ou d'une famille qu'il va falloir régler. Pour d'autres, ça va être peut-être une forme de tristesse à un moment donné du mois. Mais voilà, comme je le dis toujours, le challenge, le défi, ça veut pas être... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de bonheur, ça veut dire que vous allez tendre à ce bonheur parce qu'inévitablement, il vous manque quand même un petit quelque chose pour l'atteindre. Alors, sur la 10 de coupe, ici en challenge, en défi pour les poissons. Ah, il y a peut-être quand même de la tromperie. Alors, soit vous sentez que quelqu'un vous ment, vous cache des choses et que vous allez essayer d'éclaircir quelque chose, ou effectivement, avec le diable ici et la 5 de coupe, on voit que dans certaines familles qui, à l'apparence où tout va bien, il y a quand même, et c'est ça la lune aussi, est émergée, vous allez commencer à comprendre, à conscientiser que ce que vous aviez au fond de vous, ce que vous croyez, ce que vous sentiez, ben, c'était pas du pipeau et c'était la vérité, c'était pas votre mental qui vous jouait des tours. Ici, on voit que sur le plan des familles pseudo-heureuses, ben, il y a quand même quelqu'un qui peut vous mentir, vous trahir ou vous faire quelque chose dans le dos. Alors, c'est pas tout de suite dire que il y a tromperie, mais ça a pu, en fait, ça a pu l'être, mais ça a pu être déjà le cas, hein, à ce moment-là, parce qu'il y a quand même le diable. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ben, on voit que vous allez essayer de raccommoder les morceaux, de faire avec la paix que tout aille pour le mieux, ensemble ou séparément. Mais en tout cas, il va falloir laisser des choses si c'est ensemble, ne plus voir peut-être quelqu'un, ou au contraire, ben, si vraiment ben, ça va pas, vous allez peut-être vous libérer ici d'un amour, hein, donc vous verrez bien. Allez, on va voir un petit peu sur avec le petit Lenormand. J'ai quand même la famille ici qui ressort beaucoup. Donc si c'est pas la famille que vous vivez avec personne, ben on voit qu'au sein de votre famille, il y a une forme de choses à clarifier ici parce que voilà, il y a quand même un peu de malhonnêteté. Alors des fois c'est des gens qui juste font des choses un petit peu dans leur dos et qui jugent. C'est quand même de la ruse, hein. Il y a quelqu'un de rusé peut-être au sein de votre famille et que là, bon, il va falloir un petit peu clarifier quelque chose. Ouais. Peut-être aussi pour certains, sur le plan de la famille, au niveau de la santé, il y a quelque chose qui est caché mais qui va être révélé. Peut-être que jusque-là, vous ne saviez pas que ça n'allait pas, mais... Là, vous allez conscientiser et l'apprendre en fait. Alors, on va voir un petit peu maintenant. En fait, il y a un déséquilibre familial ici pour certains d'entre vous. Allez, sur votre entrée de mois, qu'est-ce qui peut se passer pour vous, les poissons? Alors. Nous avons la 7 de denier. Donc,
Vous commencez à percevoir les choses, que quelque chose grandit, que quelque chose porte ses fruits. Vous êtes également en analyse de faire en fait un petit peu une sorte de bilan sur ce que vous avez construit, récolté jusque-là, et de voir un peu ce que ça va donner. Alors, il y a une notion de patience également. Alors, par rapport à quoi, s'il vous plaît, sur la 7 de denier? Par rapport à quoi pour les poissons? Ah, bon. Ici, il y a pu avoir un événement qui s'est passé, par exemple, au mois de novembre, ou alors vraiment tout début du mois de décembre. Et cet événement, ce clash, cette discussion et cet inattendu, vous allez devoir vous poser les bonnes questions de savoir quoi en faire maintenant. Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer là-dessus ou pas? Alors, vous vous dites, est-ce qu'on a encore les fondations solides aussi, hein? Il y a une notion de... Ici, c'est en fait, c'est comme s'il y avait vous et quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un couple ou autre chose ou une autre personne. Il y a cette notion de devoir discuter avec une personne, mais de prendre le temps de la réflexion, de mesurer ses mots et de parler en toute franchise de ce qui s'est passé pour voir si, bah, comme je vous l'ai dit, si oui ou non. On veut encore continuer ensemble ou pas. Alors, hein, je vous l'ai dit, hein, ça peut être relationnel avec un associé ou un patron ou une équipe, mais ça concerne vous et d'autres personnes. Et voilà, il y a cette rupture ou cet inattendu qui vous fait poser inévitablement des questions et de devoir faire le bon choix pour vous. Alors, les chouettes ici me montrent que... Donc les chouettes, c'est la sagesse. Vous allez vraiment avoir la sagesse suffisante pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Alors, j'ai pas encore posé l'intention, mais vous voyez, c'est vraiment en collaboration avec d'autres personnes, hein. C'est des gens que vous côtoyez au quotidien. Allez, on va voir un petit peu ici pour votre milieu de mois. Allez, le milieu du mois de décembre des scorpions, j'allais dire des poissons. Allez. Le valet d'épée. Alors, vous n'allez pas brusquer les choses. On voit que vous êtes, par rapport à cet événement, cet inattendu, en pleine conscientisation, en pleine recherche d'informations. Vous allez être précautionneux, vous allez être un petit peu sur la réserve également. Vous n'allez pas mâcher vos mots pour certains d'entre vous. Alors, le valet d'épée, vous allez peut-être également apprendre quelque chose en milieu de mois, en cours de route. Alors, sur le valet d'épée, pour les poissons. Oula, celle-là, elle a bien sauté. Oui, vous voyez, il y a cette notion de réflexion. Là, je pense que c'est vraiment, vous allez prendre le temps de la réflexion, de chercher les informations, de savoir comment faire au mieux, de trouver des solutions. Et aussi cette idée que vous allez pouvoir également trouver des informations qui vont éclairer votre chemin pour vous mettre sur la piste des réflexions, en fait, de ce sur quoi vous vivez. Donc peut-être aussi que votre lumière, votre éclaireur ici, sera, si ce n'est pas votre grande sagesse, c'est une personne assez mûre, assez sage, en tout cas une personne en qui vous pouvez avoir confiance parce que il a vraiment un grand savoir ici. Alors vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi d'un grand-père ici, hein, si ça vous parle. Allez, en milieu, de toute façon, un besoin d'isolement, vous voyez, vous allez trouver les solutions, vous allez trouver les réponses et votre quête, vos recherches d'informations vont payer ici. Alors, par rapport à tout nouveau départ de vie, l'aube, hein, on l'a vu qu'il y avait l'aube. Ici, regardez, nous avons l'as de carreau. L'as de carreau, ici, me montre une opportunité, un nouveau départ. Donc, vous êtes bien en quête de prendre des décisions par rapport à ce nouveau départ qui s'offre à vous. Allez, en fin de mois. Donc c'est ça, émerger. On voit qu'on va commencer à émerger en milieu de mois. Allez, en fin de mois. Ben voilà, en fin de mois. Allez, je la prends. Va. En fin de mois, regardez, roue de fortune. Accélération, mouvement, opportunité, changement, chance. Alors, sur la roue de fortune,
pour les poissons. Donc, entre le milieu et le fin de mois, donc les choses, elles bougent. Regardez, vous avez la validation de la vie. Deux arcanes majeures en fin de mois. Donc, opportunité, nouveau départ, validation. Ça peut être un achat, une construction, un mariage. Enfin, des choses très, très positives, ça peut être tout, hein. Ici, il y a peut-être également quelqu'un qui peut vous aider à enclencher un nouveau départ de vie. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, si c'est par exemple, on va voir dans les différents secteurs, mais pour les personnes par exemple qui désirent, qui ont travaillé à trouver un nouveau travail, vous pourriez avoir un poste. Si vous désiriez vendre ou trouver une maison, on voit que ça peut se passer ici en fin de mois. Pour les personnes par exemple en séparation, eh bien, on voit bien tout pareil que ce serait plutôt en fin de mois. Ici, on voit aussi que par rapport aux problématiques au sein des couples, eh ben, il y aura un grand changement, une validation positive en fin de mois. Donc, vous voyez, ça peut être énormément de choses. Et je laisse volontairement comme ça pour le moment. Allez, je tire quand même une petite carte avec le Normand sur la fin de mois avec la roue de fortune et le pape. Alors, ça peut toucher. Vous pouvez toucher, vous pouvez aller dans une administration. Enfin, que les choses peuvent se faire, ben vous pouvez acter des choses. Hein, ça peut être tout à fait par rapport à un mariage, par rapport à l'achat ou la vente de quelque chose. On voit bien qu'on se rend dans un bâtiment public pour valider, acter les choses. Vous voyez, ça peut être tout à fait des achats, des ventes. En tout cas, quelque chose se solutionne pour vous. Donc, c'est fin du mois. Allez, on va voir un petit peu les poissons. Professionnellement parlant, allez, la carrière, allez, pour les poissons. Allez, carrière, descendre, travail professionnel. Allez, nouveau départ, regardez, as de bâton. Je sens beaucoup de passion, de joie, de créativité, d'objectivité, d'opportunité, beaucoup plus d'action aussi au sein du professionnel. Alors, il y a de la nouveauté, donc ça peut être un nouveau travail, quelque chose de nouveau à challenger, une nouvelle équipe. C'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté, c'est de la vitesse, c'est de l'attractivité. Alors, il y a peut-être aussi une forme de passion pour au sein de votre professionnel ou de votre projet. Qu'est-ce qu'on avait ici au niveau. Oh non, j'ai pas parlé de bâton, moi, à un moment donné. Alors, on va voir un petit peu. Je recouvre. Donc, l'as de bâton, nouveau projet créativité. Allez. On va vous proposer quelque chose de sympa, en tout cas. Regardez. Non, mais deux as, quoi. Bon, c'est à la fois. Alors, oui, ça va vous demander ici d'apprendre à connaître de nouvelles choses, hein, c'est du nouveau départ. Mais alors, est-ce qu'il y aura deux propositions et que vous allez également devoir vous positionner? Donc, soit vous allez réfléchir plus avec, entre guillemets, le mental, peut-être par rapport, bah voilà, vous avez beaucoup de factures à payer, ou en tout cas vous avez un loyer assez important et que ce que vous allez choisir, c'est plus bah, ce qui va payer le plus. Enfin, en tout cas, voilà, aussi d'après votre expérience, d'après votre savoir, d'après ce que vous savez faire. Et puis l'autre qui va être un peu plus, vous allez choisir, vous risquez de choisir avec vos tripes. C'est quelque chose qui vous tente plus. Vous voyez, donc soit vous avez deux choix sur le plan du professionnel, soit c'est cette idée que on va vous proposer quelque chose de passionnant et pour moi, vous allez indéniablement savoir que ben c'est pour vous et vous allez saisir ce nouveau départ. Alors, si vous avez un projet personnel à acter, hein, on voit que vous allez avoir la clarté suffisante et l'envie suffisante pour actionner ce nouveau départ. C'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre, voire plus s'il y avait un choix avec ce que vous faisiez avant et ce qu'on va vous proposer maintenant. Allez, sur le professionnel ici.
les poissons ce mois de décembre. Des nouvelles. Donc, on voit bien que vous aurez de bonnes nouvelles par rapport aux pros. Il y aura peut-être des petits déplacements à faire pour certains d'entre vous, mais c'est surtout cette idée de bonnes nouvelles qui vous permettent d'avancer, d'actionner et de saisir un nouveau départ pro. Allez, là, c'est assez clair. Allez, on va voir sur le plan du financier pour vous. Donc, plutôt les signatures ici. En fin de mois, entre le milieu et fin de mois, les poissons. Allez. Alors, il y en a très bien qui peuvent apprendre quelque chose d'inévitable sur le plan du pro en début de mois, que vous allez chercher un job et puis que vous allez trouver très vite en fin de mois. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Si émergez, vous voyez, peut-être que vous avez des difficultés sur ce plan-là, que ça fait un petit moment que vous cherchez un travail, ben vous allez le trouver courant le mois. Allez, les finances ici, les poissons. Regardez, c'est pas mal. Alors, les finances à la fois, c'est pas mal parce qu'on voit qu'on ne s'en tracasse pas trop, mais vous avez aussi cette idée que peut-être vous allez festoyer pas mal en ce mois, hein, c'est les fêtes de fin d'année, et que vous allez retrouver les gens que vous aimez et profiter de la vie sans trop regarder aux finances. Alors, vous avez peut-être aussi, parce que le fait de célébrer, peut-être qu'il y a une augmentation, une heureuse nouvelle ici, qui arrive sur le plan du professionnel et qui fait que les finances vont aller, en tout cas, nettement mieux, ou peut-être un prêt accepté ici. Vous allez fêter. Bon, là, vous allez fêter. Alors, soit vous allez être super joyeux parce que vos finances, elles vont être au top, soit parce que, voilà, vous séparez enfin et puis vous récupérez vos billes, vous en êtes content. Peut-être aussi, je vous l'ai dit, que vous allez beaucoup, beaucoup faire la fête et que ça va impacter vos finances, mais voilà, on ne s'en tracasse pas. Donc, je ne vois pas de négativité ici sur le plan du financier. Alors, sur la 3 de coupe deux fois, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a des femmes. Bon, alors, vous allez peut-être voir vos copines, hein. Copines, femmes de cœur, femmes de votre famille, mais en tout cas, il y a beaucoup de féminité au sein des finances. Alors, c'est aussi, je vous ai dit, le fait de vous faire plaisir. Ici, peut-être que vous allez vraiment vous investir pour vous, personnellement, pour votre beauté, pour votre décoration, pour aller chez le coiffeur, pour l'esthéticienne, pour en tout cas sortir, faire la fête, vous mettre en valeur. Vous voyez, ces choses-là. Mais vous aurez du flair, hein, vous aurez du flair également de ce côté-là. Allez, on va voir un petit peu maintenant les relations en général. Donc, ça peut être famille, amis, collègues, personnes, je sais pas, voisins. On n'est pas dans les amours, même si ça ressort. Mais allez, les relations, il y en a deux. Non, je n'en veux qu'une. Allez, je n'en veux qu'une. Au niveau du relationnel. Les poissons descendent. Ah, elle ressort ici. Bon. Dans le relationnel, 4 de coupe. Mais c'est en force. Donc, quand je vous ai dit que vous allez dire non à des invitations qui ne vous tentent pas, voilà, c'est le cas. Je pense que quelqu'un ici peut venir vers vous. Alors, soit dans une tentative de réconciliation, et là, on me dit qu'effectivement, ça peut être une femme. Là, pour moi, vous allez dire non, ou alors vous allez mettre vos, vous allez dire, comment dire, maintenant c'est à ma sauce, c'est à ma décision, mais voilà. On peut venir vous proposer quelque chose. Un nouveau départ, une réconciliation, des sorties, hein, mais je sais pas. Vous êtes un petit peu frileux et ça peut concerner ici une femme. Alors, vous semblez insatisfait, un petit peu frustré d'une relation. Alors, et nouveau, cette notion d'équipe, c'est celle qui est sortie tout à l'heure. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous collaborez. Un partenaire de travail, voilà, quelqu'un avec qui vous travaillez. Je vois pas. Alors, c'est peut-être aussi dans l'idée une mauvaise. Si vous êtes en construction, je ne sais pas, par rapport à une maison de construction, il y a quelque chose qui vous plaît pas là. Donc, si vous êtes en quête, je vous dis d'un bon, comment ça s'appelle ceux qui construisent les maisons, là, pas l'architecte, oui, ça peut être un architecte, mais enfin, je sais plus. Bref, les entreprises qui construisent des maisons. Bon.
Là, on voit qu'il y a du mal à trouver quelque chose qui nous satisfasse. À nouveau, nous, on avait la tour avec la 7 de denier, je vous l'ai dit. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici au niveau d'une... quelque chose qui vous chafouine, qui vous plaît pas, sur le plan d'une construction. Et on voit que vous allez très clairement vous mettre en quête de quelqu'un qui s'y connaît mieux par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a de plus ici par rapport aux relations? Donc, c'est pas trop dans le plan amical, hein, c'est plutôt des gens avec qui vous collaborez. Alors, nous avons les dés. Alors, de nouveau, les dés me font penser à la tour. Donc, cette notion peut-être d'imprévu en début de mois. Vous voyez, donc, vous avez la lune. Il y a quelque chose qui va vous demander de trouver des réponses. Peut-être que vous trouverez des réponses seulement à la fin du mois, début du mois de janvier. Il y a une idée de cycle, vous voyez, et quelque chose risque de vous perturber. Vous allez devoir aller chercher quelqu'un d'un peu plus reconnu. Donc peut-être que vous vous êtes engagé avec quelqu'un qui n'est pas très connu, ou en tout cas, alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas connu, qu'on n'est pas doué, mais c'est comme si vous aviez envie ou besoin ou qu'il y a la nécessité de devoir trouver quelqu'un de plus compétent parce qu'il y a une forme de malaisance, de frustration, d'insatisfaction avec quelqu'un avec qui vous collaborez ou qui travaille pour vous. Et vous allez devoir de façon inévitable vous mettre en quête d'eux, mais avec la lune, ça risque de prendre un petit peu de temps, hein. On voit bien cette notion de cycle. Voilà. Et il y a une notion de visibilité aussi, je ne sais pas pourquoi, de visibilité qui peut-être n'arrive pas assez vite pour vous. Bien, comment ça vous parle, hein? Vous me direz, hein, surtout dites-moi en commentaire si en cours de mois, hein, laissez quand même passer un petit peu le mois pour voir comment ça se passe. Allez, les amours. Ah ben, oui, non, j'allais dire, j'avais pas fait le petit normand. Les amours ici, des poissons en décembre. Alors, on se positionne ici, on fait des choix. Donc, on voit bien que ça rejoint les cartes de départ. Donc vous faites des choix importants, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors célibataire, ça voudrait dire que vous allez élargir vos horizons, élargir, sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller explorer des terrains inconnus. Peut-être que vous allez vous ouvrir à Internet. Peut-être que voilà, vous allez moins, un peu moins sortir avec vos amis, mais plus essayer de sortir ailleurs pour rencontrer de nouvelles personnes. Ces notions de monde et d'étranger s'offrent à vous également. Donc peut-être que vous aurez une connexion avec de nouvelles personnes. Et les couples, on voit bien que vous, ce mois vous permet ici d'avancer dans votre cheminement par rapport à l'élaboration, à la concrétisation d'un projet et de laisser certaines choses du passé qui ne vous conviennent plus pour aller de l'avant. Alors, sur les amours ici, des poissons, sur la 2 de bâton, vous et l'autre, alors. Famille heureuse. Vous voyez, on l'a eu en défi. Donc votre objectif ici, c'est de trouver l'harmonie, de lâcher les choses qui ne vous conviennent plus, vous délester ici de choses difficiles sur le plan relationnel, amoureux, familial, pour pouvoir retrouver cette harmonie que vous aviez. Vous allez mettre les choses au clair, vous allez lever les voiles, vous allez, voilà, la toxicité, on doit mettre des choses derrière soi si on veut continuer ensemble, parce que très clairement, on veut quelque chose de solide maintenant et d'ancré, et c'est ça votre objectif ici. C'est ça que vous voulez atteindre, alors je me répète, mais c'est avec votre autre ou tout seul. L'important, c'est que vous soyez bien, vous soyez ancré, aligné et que vous vous connectiez avec vous-même et vous voulez la paix, la paix, la sérénité, c'est tout ce que vous voulez. Donc, dès qu'il n'y aura plus de paix, dès que vous allez sentir quelque chose de toxique, ça va être raus, hein. Allez, sur le plan ici, des amours. Donc, alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, trouver votre bonheur à l'étranger, hein, les célibataires. Allez, les amours ici. La clé. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a ces solutions. Alors, il y en a qui, si vous désirez déménager, alors effectivement, en allant plus loin, donc peut-être que là, vous allez, si vous cherchez toujours dans un périphérique, je ne sais pas, de 15-20 km autour de chez vous, peut-être que c'est en allant plus loin que vous allez trouver la solution à votre bonheur. Hein, peut-être c'est l'achat d'une maison, peut-être que si vous êtes avec des thérapeutes de couple et que ça va pas, bah, peut-être vous allez trouver quelqu'un qui est un petit peu plus loin. Vous voyez, cette notion de trouver quelqu'un qui peut vous aider entre le milieu et la fin. On l'a vu, un milieu du mois, on tend vers le soleil et il y a la roue qui tourne enfin.
en fin de mois. Et donc, les choses ici, elles pourraient être actées plutôt fin du mois. Donc, on voit qu'il y a, vous voyez, ils avaient encore la boussole. Donc, il y a vraiment cette notion d'orientation, réorientation, déménagement pour certains d'entre vous qui arrive ici, donc sur le plan émotionnel, sentimental. Allez, on va prendre les oracles. Après la partie ici sentimentale, je tirerai donc pour que vous puissiez vous poser une question avec les réponses angéliques. Je replace le fait, si vous n'avez pas entendu, que j'ai fait un soin énergétique de 7-8 minutes qui est top, top, top pour se déstresser. Donc n'hésitez pas à aller le chercher et à m'en dire des nouvelles. Allez, pour les... sa petite pub quand même. Allez, pour les poissons en couple, pour qui tout va relativement bien ici, ce mois de décembre 2022, que va-t-il se passer? Je vais sauter. Allez, pour les... Alors, l'invitation amoureuse, nous avons sortie, fête et amusement. Peut-être que vous allez aussi être invité à un mariage ici et devoir faire un petit voyage. Ici, peut-être que votre autre ici va vous proposer de faire des sorties, hein. De toute façon, on voit bien ici qu'il y a pas mal de sorties, des invitations. Donc, peut-être qu'ici, la féminine va recevoir des invitations de son partenaire pour aller faire la fiesta. Projet d'avenir. Voilà, projet d'avenir. Donc, on voit bien que ce mois va vous permettre de voir plus loin, de concrétiser des choses par rapport à vos projets d'avenir ici. Et laisser du temps. Donc, on voit bien que c'est quelque chose que vous voulez réaliser sur du long terme, que ça ne se brusquera pas comme ça. Là, c'est un moment de planification, de choix, de décision, de savoir ce qu'on veut garder et laisser, et de prendre son temps. Prendre son temps est important pour arriver à cheminer vers le mieux pour votre projet d'avenir. Mais on voit que ça commence vraiment à prendre, voilà, vous émergez, mais la lune est encore là. Donc, ça va vraiment prendre un temps, un cycle, mais vous êtes sur le bon chemin, chers amis. Le succès total. Bon, écoutez, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, les amis. Allez, on va voir maintenant du côté des couples en crise, les couples en difficulté. Allez, parce que la vie, c'est pas les bisounours, et puis qu'il y a des gens, bah oui, c'est compliqué. Allez, sur les couples en crise, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a quand même de belles énergies de base, hein, les belles pensées. Donc, les belles pensées, on voit qu'il y a de l'espoir, on voit qu'il y a de la réflexion, on voit qu'on tend à une amélioration, à la guérison. On vous dit rêver, penser à quelqu'un et rêvasser. Alors, est-ce que l'un de vous deux, effectivement, surtout vous, pensez ici à quelqu'un en particulier, hein, si vous êtes dans le cas d'une tierce, on a les relations charnelles. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous tente beaucoup, même si vous n'avez jamais consommé, on va dire, mais on voit que vous pensez discrètement et en secret à quelqu'un qui est en dehors ici de votre famille, avec sexualité, désir et fantasme, et avoir des échanges. Il y aura donc des échanges avec cette personne que vous désirez, qui vous désire, et voilà, il y aura une connexion spirituelle et en même temps par texto, la communication, des échanges verbaux en tout cas, peut-être pour se réunir et se voir. Ça, vous verrez bien. En tout cas, il y a quand même de belles vibrations de pouvoir se voir. Si tel est le cas, tel est votre désir, vous pourrez vous réunir pour pouvoir échanger et avoir des relations charnelles. Ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes ici, parce que peut-être qu'au sein d'un couple, au final, quand ça va plus, même si on est encore ensemble, entre guillemets, vous allez prendre de bon temps pour vous et vous allez aller passer du bon temps avec la personne, après tout, qui vous plaît. Mais la carte de la paix étant là, ça me dit que ça ne va pas être trop compliqué pour les couples en crise en ce mois. Allez, on va passer chez les célibataires avec quelqu'un dans le cœur. Allez, allez, allez. Vais les cartes de tirage. Pour les... Poisson célibataire avec quelqu'un dans le cœur, quelqu'un en crush, mais pas ensemble, pas dans la matière, que vous ayez déjà échangé ou pas. J'en ai deux, écoutez, je les prends ensemble. Vous avez la purge et la friendzone. Alors, est-ce que vous allez commencer à vous dire, est-ce que ce sera jamais qu'une relation amoureuse, tout ça? Alors, vous pouvez rester hein, dans cette idée de d'amitié, mais je pense que là, vous allez commencer à vous demander,
Ou est-ce que je libérerai pas un petit peu toutes ces énergies là parce que ça va jamais plus loin? On vous dit, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Et la purge, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Donc voilà, on voit bien que là, les énergies, vous allez aller de l'avant, hein, d'où la 2 de bâton. Vous allez, je pense, commencer à vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres énergies, parce que, bah, entre guillemets, vous sentez que bah, ça ne va pas plus loin. Allez, petite troisième carte pour les célibataires ici. Et vous préférerez à ce moment-là, effectivement, rester amis. Pour les célibataires en crush, l'espoir. Vous voyez, vous voyez, alors pour moi, c'est pas vous avez l'espoir sur cette relation-là, c'est vous avez l'espoir de vous ouvrir à de la nouveauté. Ah oui, on n'en abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Oui. Mais pour moi, avec purge, friendzone et espoir, c'est que maintenant, toutes les relations que vous conscientisez comme n'allant pas plus loin que de l'amitié, bah, vous dégagez ça parce que vous voulez plus. En fait, vous voulez plus et vous voulez vous ouvrir au bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des rencontres, mais ça veut dire que plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez vous détacher finalement de cette amitié, et ben plus vous risquez de trouver le bonheur, les amis. Allez, on va maintenant du côté de nos célibataires, célibataires sans personne dans le cœur. Avant, ne partez pas avant là. Réponse angélique pour votre question. J'ai des cartes partout, alors je sais pas comment vous faites avec une petite table. Je ne saurais pas. Allez, pour les célibataires, les poissons célibataires, sans personne dans le cœur. Pourquoi il y a une... Elle vient d'où, elle? Je sais pas, il y a une femme là qui est sortie de je sais pas où. Elle était peut-être en dessous d'une deuxième carte. Je sais pas. Ou alors elle était. J'avais peut-être rangé. Peut-être que quand j'ai rangé mon astro crush, elle était restée dedans. Ça doit être ça. Allez, les célibataires, les poissons célibataires, sans personne dans le cœur ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh! L'âme sœur. Il y a une connexion ici. Hein. Connexion. Il y a une personne qui apparaît. Quelqu'un qui peut réconcilier, vous réconcilier avec l'amour, on a manque de franchise. Par contre, c'est quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout, ou vous fait croire certaines choses, et en fait, c'est pas tout à fait ça, à l'intérieur de lui ou d'elle, trop de choses en tête. C'est quelqu'un qui, je pense, doit vous dire beaucoup de choses, a tellement de choses à vous dire, et donc soit elle va un petit peu masquer la réalité. Soit elle va chercher une façon de vous dire les choses, mais ça va pas sortir avec les justes mots. Soit très clairement, vous allez sentir que cette personne n'est pas franche avec vous parce que vous savez très clairement sa situation et que vous, ça va chauffer dans votre cerveau. Alors pour les célibataires ici, nous avons l'aide. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, je pense que c'est du côté de votre âme sœur, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, c'est quelqu'un qui est en difficulté ici. C'est une personne qui pense beaucoup à vous ici, qui est sans doute en train de vous regarder régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses, mais qui néanmoins ne pense, enfin pense à vous en fait. C'est pas parce que cette personne ne vous dit pas tout qu'elle ne pense pas à vous, que du contraire, elle essaye de savoir comment aller vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, avec la carte du futur. C'est quelqu'un vraiment avec qui le futur est possible. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Oui, moi je te suis. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez effectivement déjà. Il y aura un, ou alors il y aura un jeu entre vous qui sera de celui du chat et de la souris. Mais voilà, c'est cette connexion d'âme inévitable, c'est de la projection ensemble, on voit la famille, même si c'est pas simple, que c'est compliqué, qu'il y a des non-dits, je pense qu'ici c'est une relation, alors peut-être qu'effectivement il y a cette notion un petit peu des fois de sauveur-sauvé, mais ça va un petit peu dans les deux sens, et là il y a clairement l'opportunité bah, d'une réconciliation, mais pour cela il faut vraiment... Bah, lever les voiles et dire les choses en toute franchise, parce que très clairement, là, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête ou qui ne sera pas honnête en ce mois. Et donc, il faudra vraiment clarifier les choses. Avec amour et paix, on voit que tout est possible, mais il faut maintenant
dépasser les blocages, dire ce qui ne va pas et essayer de trouver des solutions ensemble pour pouvoir se projeter. Bon, ici vous êtes célibataire, encore à la base, hein, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, ben on voit qu'il y aura cette relation un petit peu. Moi je vais vers toi, l'autre s'en va, et puis quand l'autre s'en va, l'autre revient vers lui. Enfin, ce genre de relation. Allez, c'est parti. On va prendre les anges de l'amour. Non, pardon. Les réponses angéliques pour vous poser une question. Posez-vous une question. Vous pouvez très bien aussi vous poser deux ou trois questions et prendre une carte pour chaque réponse. Ou alors accueillir tout simplement les messages ensemble si vous n'avez pas deux questions. Allez, trois cartes, s'il vous plaît, trois réponses pour les poissons qui regardent la vidéo du mois de décembre 2022. Allez, première réponse, s'il vous plaît. Deuxième réponse. Troisième réponse. Alors, première réponse. Donc, si vous avez besoin, vous mettez sur pause. Première réponse. On vous dit attendez. Laissez le temps faire. Vous aurez bientôt la réponse à vos questions. Deuxième réponse, vous avez le moment idéal. Là, par contre, c'est maintenant. C'est maintenant. Il ne faut plus attendre. Et la troisième réponse est amour romantique. Voilà, vous avez probablement rencontré votre âme sœur avec amour romantique, réconciliation, retrouvailles. Rencontre, connexion d'âme et amélioration émotionnelle, sentimentale. Pour le choix numéro 3, chers amis, je vous embrasse. Gros bisous, bisous. Très beau mois de décembre. D'avance, de belles fêtes de fin d'année. Mais on se retrouvera d'ici un mois environ pour le mois, enfin, pour les énergies du mois de janvier qui seront mises sur la chaîne courant du mois de décembre. Je vais y arriver. Et puis voilà, je vous embrasse fort les poissons. Que tout se passe pour le mieux pour vous. Bisous, et puis je vous dis à tout vite pour de prochaines énergies. Ciao, ciao les poissons.